préparatifs de la campagne chirurgicale qui va commencer le mercredi. Nous avons la grâce d'avoir parmi nous le docteur Niaoui. Là, nous sommes en train de faire l'inventaire de matériel pour nous apprêter par rapport à ces opérations. Je veux déjà dire qu'il y a un afflux de patients qui continuent à s'enregistrer. Nous sommes déjà là au-delà des 50. Et nous bénissons le Seigneur parce que la plupart des matériels, 60, on est déjà 60. Donc dans les stocks, nous sommes en train de voir que nous avons du matériel. On aura peut-être besoin d'ajouter quelques-uns. Déjà nous bénissons le Seigneur parce qu'on en a déjà ce qu'il faut. Et nous avons la grâce aussi d'avoir les bistouri électriques que nous allons utiliser. Une bonne chose, c'est très encourageant pour nous. Donc là, ce sont des complexes stériles que nous allons utiliser. Des gants chirurgicaux, des masques, des complexes. 10 à 10 cm. Oui, ça aussi. C'est un complexe de glace. Oui, on va mettre glace. Intervention. Et ça, les gants chirurgicaux. Donc on a vraiment les poches. Ce qui est important, c'est vraiment d'avoir du matériel de pointe, du matériel sûr, propre. Et de faire vraiment des interventions sans bavure. C'est sûr tout ça, même si les gens n'ont même pas 5 francs, même s'ils n'ont rien, au moins qu'on soit vraiment sûr de leur donner vraiment un travail, vraiment indiscutable, très efficace. Et ce que nous visons, c'est les complications post-opératoires, les addis supérieurs, les complications de l'hémorragie et quoi. Non, on ne veut rien avoir de tout ça. Et l'équipe est là, la qualité, les hommes sont là, et le matériel aussi est là, et nous sommes en train de le vérifier. Nous nous assurons que tout est stérile, que tout le matériel est stérile, que nous avons toutes les formes de matériel possible. Voici donc des tubes grasses, des compresses grasses qui peuvent parfaitement faire le post-op. Et ensuite, nous avons les compresses stériles, nous avons les gants stériles, nous avons en tout cas tout pour le bloc. Et nous venons aussi d'avoir le bistouri électrique. Vraiment, c'est un grand ouf. C'est un grand ouf en matière de chirurgie. Et donc, pour les 60 cas que nous avons recensés, nous sommes complètement prêts. Si nous devons travailler pendant 10 jours, ça fait 6 interventions en dessous pendant 10 jours. Wow. Si vous ne voulez pas, dites en même temps pour qu'on cesse. Nous disons amen. Amen. Ça c'est vraiment bien, on s'engage pour ça. Je suis venu pour ça et je suis prêt. Donc je pense qu'on va y aller. Amen. Et j'ai vu des infirmières vraiment sur place. Parce que dès qu'on finit, il faut que quelqu'un puisse déplacer le malade pour l'amener dans salle de réveil. Voilà. Donc, si nous pouvons avoir 2 ou 3 hommes qui sont disponibles chaque fois pour déplacer, c'est parfait. On sera. Ok. Je crois qu'avec tout ça, vraiment, on ne cherche pas plus. Il faut les langues du sol. Les langues du sol.